Depuis hier soir, il y a une astuce qui vous permet de débloquer le skin Catalina sur console, PC, etc. etc. Même si vous n'avez pas de téléphone Android compatible avec l'application Fortnite ou iOS, ben cette astuce va fonctionner. Par contre, elle est sortie depuis quelques heures, donc c'est possible qu'elle se fasse patcher très rapidement. Donc n'hésitez pas à le faire directement dès que vous voyez cette vidéo si vraiment vous voulez obtenir le skin. Alors l'astuce, c'est de jouer sur des maps créatifs 1.0. Donc les 2.0, ça ne fonctionne pas. Il faut trouver des cartes créatifs 1.0 et qui ont l'XP d'activer sur la carte. Donc là, par exemple, je vous affiche le code de la map qui est juste ici en bas. Ben, dans cette map, c'est une map qui est créée en créatif 1.0 et qui a l'XP activé dessus. Donc quand vous avez cette map, ce que vous allez devoir faire, c'est d'inviter un pote. Donc soit vous invitez votre deuxième compte, soit vous en créez un, soit vous rejoignez le Discord que je mettrai en description pour trouver d'autres joueurs, ou soit vous demandez à un pote de vous rejoindre. Donc la personne qui veut débloquer le skin, donc réaliser les défis, doit être le chef du groupe. Ensuite, cette personne-là doit lancer la partie en mode privé, pas en mode public. Donc vous lancez la partie en mode privé, le deuxième joueur ou votre deuxième compte lance également, se met prêt et lance la partie avec vous. Alors même si mon deuxième compte est sur téléphone, comme vous pouvez le voir, c'est le petit logo téléphone, c'est pas grave, c'est juste que moi j'ai mon téléphone à côté, c'est plus simple de lancer avec mon téléphone et mon deuxième compte, mais ça fonctionne même si j'aurais lancé avec mon PC ou que j'aurais lancé avec un pote qui était sur PlayStation. Même si vous êtes tous les deux sur PlayStation, ça fonctionne. C'est juste que moi j'utilise mon téléphone par simplicité. Alors avant de lancer la partie, attendez bien que les deux joueurs aient rejoint. Ensuite, vous maintenez triangle et vous lancez la partie. Quand c'est fait, l'hôte de la partie, donc celui qui veut débloquer le skin, doit quitter la partie. Donc celui qui a créé la partie, le leader du groupe, doit quitter et doit re-rejoindre le deuxième joueur. Donc avant de le re-rejoindre, je vous remonte que dans mes défis, je suis à 907 sur 100 000. Voilà, je relance, toujours en privé, je le re-rejoins tout simplement. Alors maintenant, quand j'ai re-rejoint la partie, ce que vous allez devoir faire, enfin le deuxième joueur, ce qu'il doit faire, c'est d'aller dans la zone de guerre, enfin dans la zone de bataille. Ensuite, vous le suivez tout simplement, et là, vous allez le tuer. Et quand vous allez le tuer, vous allez gagner de l'XP. Donc regardez, j'ai gagné 907 XP. Donc maintenant, si je vais dans mes quêtes, vous pouvez voir que j'ai 1814 XP. Donc là, je refais la même chose. Je vais avec mon deuxième compte rejoindre mon premier compte et ensuite je vais tout simplement le tuer en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc là je suis à combien? Encore à 207, à 907. Donc là je suis à 2221. Et vous faites ça en illimité pour atteindre les 100 000 XP. Alors dernière information, le deuxième joueur, lui par contre, s'il le fait, ça ne fonctionnera pas. Il faut que vous refassiez la même manipulation mais dans l'autre sens. Genre, lui si maintenant le deuxième joueur veut débloquer le skin, eh bien, on va falloir qu'il crée le groupe, qu'il soit leader du groupe, qu'il lance la partie, qu'il quitte la partie et qu'il rejoigne le deuxième joueur, donc moi dans l'occurrence. Donc voilà, vous allez devoir faire la même chose, mais dans l'autre sens, pour que le deuxième joueur puisse aussi débloquer le skin. Code créatif.